Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon les petits potes, j'étais tranquille en train de me balader et là roue de la chance qui est tombée sur une draft. Et encore une fois, la personne a choisi de faire une draft featuring carte Pokémon. Du coup les amis, j'ai dans ma main un booster de la nouvelle collection Flamme Obsidienne qui est sorti. Et on va donc faire une draft. Donc je vous le rappelle, chaque type de Pokémon à l'intérieur correspond à un numéro que je vais devoir choisir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une draft au hasard, mais featuring la nouvelle collection de Pokémon. Du coup, draft en ligne, c'est parti. On va mettre les petits points parce que comme ça au moins on n'utilise pas de crazy. On utilise ça. Et même donc ici pour le choix, on va choisir nous-mêmes ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez de cartes pour tout choisir. Mais donc vas-y, du coup on va se prendre un 4-3-3 resserré, ce qui nous permettrait éventuellement de taper les plus gros joueurs du jeu. Comme ça, on avance là-dedans. Et donc du coup, on va ouvrir le booster. Donc hop, décellage incroyable. Du coup, notre premier choix de capitaine, etc., correspondra au combat. Et le combat, dans notre petit tableau, c'est le choix numéro 3. Donc les deux premiers joueurs que nous allons choisir seront le choix numéro 3. Donc c'est toujours un titulaire, un remplaçant par chaque type de carte. Nous sommes partis, les petits potes. Numéro 3 pour le capitaine. Bon, après, il n'y avait pas des choix forcément fous. Donc là, on va prendre Honora comme capitaine. On n'est pas forcément serein. Remplaçant, le numéro 3, ça sera Boulou. Ok, ça va encore. Franchement, ça va. Allez, on va directement... Ah, tu sais quoi, vas-y, non, on va aller au buteur à la fin, c'est le plus hypant. Du coup, le deuxième type ici, c'est quoi? C'est Dragon, le type Dragon. Le choix numéro 5 qu'on devra choisir. Donc, choix numéro 5 ici... Ça sera notre petit Cels. Ok, bon après, on reste dans la Ligue 1, donc pourquoi pas. Et le numéro 5 remplaçant, ça sera... Oh putain, ouais alors je veux bien Ligue 1, mais ouais bon... Alors, ouais. On commence pas très bien. Allez, défenseur droit, ça sera un type plante. Et le plante, c'est le choix numéro 1. Demarcos. Et le choix numéro 1 ici, ça va être... Franco, ben ouais, mais c'est de la Ligue 1, mais des postes qui rentrent pas, quoi. Bon, bah c'est pas grave, hein. On accepte les règles. Hein. Ici, on a un type O, donc le type O correspond au numéro 3 pour le défenseur central. Numéro 3 ici, avec De Ligt, ok, super. Ça m'annonce une draft assez compliquée, cette histoire, moi je te le dis. Numéro 3, Diatta. Donc bien sûr, on a le droit de faire des remplacements si éventuellement les remplaçants amélioreraient tout ça. Hein. Ici, on a un type normal. Choix numéro 5 pour le type normal. Type normal, ok, Lucioni. Bon, ça rentre pas dans le collectif, mais ça reste un joueur éventuellement correct, quoi. Et le numéro 5 remplaçant... Ça sera Joao Mario. Oh là 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 là. On est dans la mouise, hein, je vous le dis. On est dans la merde. Type normal encore ici avec un magnifique Linéon. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de lui, mon pote. Normal, du coup, c'est 5 encore une fois avec Alex Moreno. Et le numéro 5 encore une fois avec Mahrez alors qu'on avait Haaland ou Lewandowski. Ou... Ouais. Aïe aïe aïe. J'ai peur. Encore non. Frérot, c'est une draft numéro 5 là. 5. Type normal encore. MDC Torreira. Bah le pire, hein, c'est cool. Non, pas, non, c'était pas le pire. Soit pas de mauvaise foi. Et le numéro 5 remplaçant. Au moins c'est une carte spéciale. Ok. Ah non, merde, normal c'est 5. Putain, reste pas d'oreille. Je suis con. Je suis con. Je suis fatigué les gars. Ça y est, je fais déjà des bêtises. Type O numéro 3 pour le milieu centre. Allez, faites-nous rêver. Ok, bon, ça va de sang, il n'y a pas des choix de ouf. Et le remplaçant numéro 3. Oh ouais, bon bah là, c'était les joueurs nuls, ok, pas grave. Pour le MC maintenant, ça sera la première reverse ici, en type normal. Magnifique, normal, c'est numéro 5. Ok, encore les joueurs nuls, très bien, superbe. Oh là, la draft, elle est éclatée au sol par rapport à ce que tu pourrais avoir à l'heure actuelle. Oh là là, bah tout va se jouer là, les gars. Tout va se jouer là. Là, il faut le bon numéro. Alors, deuxième reverse, c'est un Malamandre, donc type ténèbre. Ah, ténèbre, ça va me porter chance, non. Le numéro 2. Ok, Vini Junior, on prend. Très bon joueur, ça va. Et le numéro 2 ici. Oh, putain, j'ai un... Non, mes frères. Et la dernière carte pour être riche éventuellement. Ça sera non, pas de richesse. On a un vieux type électrique Salarsen, type C. Et le type C, messieurs dames, c'est le choix numéro 4 pour le buteur. Alors, remplaçons numéro 4 déjà. Avec, ok, corps. Bon, ben là, les gars, on va pas se mentir. Si on veut passer un tour, faut au moins un top buteur. Hein. Numéro 4. Ouais,
3, les gars, la draft elle est éclatée au sol. Hein. On complète pour le dernier poste parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et derrière, on prend n'importe qui. Bon bah les gars, voilà, hein, je vais pas vous mentir. La draft elle est éclataxe au solax, hein, vraiment. Ça risque d'être compliqué cette histoire. 7 de collectif. Non, vraiment, je crois que là, alors autant la première, elle était assez sympa, autant là, c'est compliqué. Bon, on va regarder, bon, Kounou peut-être mieux. Là, attaquant droit, peut-être Mahrez mieux, éventuellement. Non, franchement, on a fait des drafts éclatés, mais là, on est solide, hein. On va y aller et on va voir ce que ça donne, les gars. Moi, je vous dis, hein, si je gagne un match, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Allez, c'est parti. Et en plus, les gars, si ce n'était pas assez simple, c'est vrai qu'on a eu un sub juste avant et on doit mettre un gardien en buteur. Bah, bien joué. Ah, mais je peux pas le mettre. Ah, fuck off. Bah, deuxième match, les gars, je ferai ça. Je pense pas que là, je peux mettre le gardien maintenant. Là, vraiment, je pense que c'est jouer comme s'il y avait une équipe silver en vrai. Hein. Parce qu'il n'y a pas de collectif, il n'y a que Vinicius qui peut être vraiment intéressant in-game, je dirais méta, en guillemets. Donc, ouais, pas facile. Pas facile cette histoire. On va voir ce que ça donne. Et au pire, je lancerai une deuxième draft et puis je mettrai un gardien en buteur. Et puis voilà. Hein. Si jamais j'ai pas réussi à gagner ce match, parce que malheureusement, je vais pas pouvoir le faire là sur le. Oh là là, oh, où est-ce que c'est lent en défense, mon gars. Ah, on va prendre le bouillon. On va prendre le bouillasse, hein. Je te le dis, hein. À tout moment, ça va être un rage quit, hein. Très clairement. Si tu gagnes ce match, je lâche un sub. Franchement, tu pourrais même lâcher 100 subs. Je pense que tu prends aucun risque là à l'heure actuelle. Hein. Ah, je pensais qu'il partait vraiment plus que ça. On a tenté, hein. On tente avec ce qu'on a. Hein. Ah, il a compris lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, oh mon gardien il est éclaté. Oh aïe 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 aïe, oh non. Oh ouais, là ça va être dur. Ça va être très très dur cette histoire. Oh là 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 là, oh ouais les gars. Oh là 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 là, bon, bah écoutez hein. Ça va durer 13 minutes le match hein. 14 peut-être s'il met longtemps pour marquer. Ça va vite être réglé cette histoire, je vous le dis hein. On va pas rester très longtemps hein. Oh, même une passe dans les pieds, ils arrivent pas à la faire. Oh les... Ils sont nuls. Ils sont tous nuls. Mon adversaire aussi, mais bon. Là, il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de différence au niveau des joueurs, quoi. Oh non, puis on rate ça. On va pas en avoir 1000 des occasions comme ça. Hein. On va clairement pas en avoir 1000. Hein. Et vraiment, il est nul. Je suis en train de vraiment croire que je peux passer, les gars. Vas-y, on va tenter des trucs. João Mario va être meilleur que Nilsson. Pepe va être meilleur que Chic. Mais du coup, je pense que Pepe 93, je pense que c'est mieux de le mettre là et garder Vinicius en pointe-pointe comme ça. À 93, non, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on se mettrait pas un Diata ici à la place de... Ouais, non, quoique là, c'est un peu surjoué. On va y aller comme ça, je pense. Peut-être Angelino ici. Et puis, on va se garder Raspadori pour la fin. Franchement, là, je suis en train de me dire qu'il y a moyen tellement il est mauvais. Bah mettez le pied puis je vois. Oh, ils ont pas envie de mettre le pied. Hein. Allez, hop, 2-1, vas-y. Ouais, en défense il est éclaté au sol, vraiment. On a rarement vu des joueurs aussi mauvais en défense, quoi. C'est-à-dire que même pas genre il fait l'autodéfense. C'est... Oh là là, arrêtez de le laisser passer les gars. Après il va se croire chaud à FIFA. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Allez. Bah ouais, t'es nul. Bah, je l'avais dit que t'étais éclaté, frérot. Défensivement, mon gars, il est mauvais. Il y a vraiment moyen de passer ce match, hein, malgré le fait que j'ai une équipe éclatée. Attention, hein. Entre les jambes. Franchement, je vous dis la vérité, c'est scandaleux. Mais monsieur alors ? Mais monsieur ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est un peu comme si tu connaissais toutes les techniques de la F1 sans être passé par le karting, quoi. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, monsieur, mais votre niveau ! Mais votre niveau ! Ah, Pépé, fort dans le jeu, hein. Bah, heureusement qu'il lui reste ça, parce que c'est vrai que dans la vraie vie, bon, bah malheureusement, il a pas fait une bonne saison. Hein. Oh là là, monsieur, oh là là. Oh là, mais monsieur, monsieur, où êtes-vous ? S'il vous plaît ? Ça, pour moi, c'est des mecs, tu vois, qui doivent connaître bien le jeu, qui doivent être bons, et puis qui doivent devenir meilleurs. Mais lui, il est nul, quoi, tu vois ? Ah, bah, il a lâché la manette.
Ok, bon écoutez, premier match qui passe. Bon, alors vraiment, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un peintre. Maintenant, deuxième match, on doit jouer avec un gardien en buteur. J'avais oublié cette histoire. Du coup, c'est parti. Alors, allez, bah, Silzo en pointe. On verra ce que ça donne, les gars. Si on gagne ce match, je vous dis la vérité, j'ai plus aucune foi en l'humanité de FIFA. Voilà, je vous le dis. Vous n'êtes jouable encore? Bah, bien sûr, tous les joueurs sont jouables. Pour moi, je vois pas le problème de jouer Wayne Rooney. Oh, le sub offert. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il offrait un sub si je gagnais le match. Là, va falloir que je me focus, je joue avec mon gardien en pointe. Hein. La roue a décidé. Oh là là, le contrôle. Oh putain. Oh, attends, voir. Oh putain. Oh sa mère, je la mettais, je te jure que je m'en fous. J'arrêtais la vidéo. Je quittais le match, j'arrêtais la vidéo là. Oh oui. Oh non, oui, non. Il est nul aussi, il y a moyen de passer, les gars. Là, franchement, limite, gagner, je m'en fous. Mais j'aurais juste envie de marquer avec mon gardien. Et je pense que je vais forcer pour. Donc je suis désolé d'avance, hein, si je pourrais gagner le match et tout, etc. Mais je vais vraiment forcer de jouer le défi jusqu'au bout, quoi. Et porter mes couilles, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y va, hein. Ah ouais, bon, après, l'appel est pas bon, mais... Oh, dommage, je la récupère pas, là, ça aurait pu être dangereux. Tu marques un but à Excel, si tu gagnes le match, j'offre un sub. Non, mais les gars, je suis désolé. Gagner un match, deuxième tour de draft avec mon gardien en pointe et tout, ça mérite 50 subs, c'est tout. Oh, bien la tête. Allez, les merdes, la tête avec le pied, hein. Allez, on va essayer de se poser un peu. Pas trop se précipiter. Après, voilà, faut pas oublier que mon gardien, je peux pas trop jouer avec. Peut-être à la finition, mais pas plus. Voilà. Genre là, on peut tenter. Sur un malentendu, ouais. Là, tu vois, c'est... Pas de facile, cette histoire. En fait, le problème, c'est qu'offensivement, limite... J'ai une idée de plan de jeu, tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, faut que j'évite mon gardien et tout de ouf. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est prendre des risques, mais c'est de jouer des mecs offensifs au milieu de terrain à qui on va leur dire, bah montez en fait. Voilà, les deux montez, les gars. Et comme ça, au moins, on a offensivement d'autres joueurs, quoi. Putain, c'était mon gardien, les gars. Gardien, frère, je te jure que j'ai mis un but avec mon gardien. Ouh, on l'a tryhardé, les gars. Cels. Oh oui, montre-lui bien qui c'est qui marque. Oh, c'est honteux. J'aurais honte à ta place. Non, sérieux, non, volez-moi pas ça. Là, c'est quand même Mahrez, tu vois. Alors, je veux bien, pas de collectif et tout, mais il a des stats pour la cadrer, celle-là. Elle est pas bien compliquée. Oh non, pas un vol. Oui. Oh là 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 là, vas-y, dégage. Non, c'est bon. Avec un gardien qui a le poste gardien en pointe. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'avoir un niveau pareil. Je parle de lui, hein, au niveau négatif. Pas de moi au niveau fort, hein. Attention, hein. Il va stresser. Voilà, basique. Oh non. T'as vu, ça c'est le problème de eSport, ça. Faute, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Oh là là, on a gagné avec un gardien. Oh, incroyable. Alors, je l'enlève, je te le dis, hein. Mais non, mais c'est trop. Non, mais c'est beaucoup trop, en vrai. Oh là là, mon Dieu. Mais ouais, mais c'est des nouveaux joueurs, tu vois. Octobre 2022, c'est des tout nouveaux joueurs. Demi-finale de cette draft, totalement éclaté au sol. Mais on est là. Ah ouais, alors là, par contre, gérer Mbappé, Totti avec mes défenseurs, je vais pas te mentir. On n'est pas forcément super serein. Enfin, c'est rouge. C'est rien d'autre que rouge, hein. Je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, les assassinats comme ça, c'est pas normal. C'est clairement pas normal, là on a un problème. Un match de Mario à place de Nielsen. Il a pris un carton, moi j'espère quand même, hein. Il a pas pris de jaune. Non mais vraiment? Vérifie tes branchements de capture d'image. Ah ouais, là je vois, ouais, ok. Je viens de voir. Ok, bah écoutez les gars, là je vais pas pouvoir gérer ça, hein. Donc ma foi, c'est comme ça. Et je vais voir ce qui se passe après. Je vais débrancher, rebrancher peut-être, et puis voilà. De toute façon, le match est dégueulasse. Oh, mais non, mais je te demande une passe. Yeah. Ouais, bon, bah voilà, engagement est à marquer là, hein, clairement. Ouais, c'était écrit. Là, je demande une passe, il la fait pas. Je sais pas pourquoi il l'a pas faite. On lui donne la balle. Au calme, son engagement pour qu'il puisse marquer un but. eSport, dans toute sa splendeur. Regarde là, il accélère pas. Ok, merci. Non, mais derrière la...
c'est affreux. Affreux. Penalty. Heureusement qu'on l'a tiré fort. Ah là 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 là, je te jure. Ah. Oh là là, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est simple des fois. Bah les gars, final hein. Qui l'eût cru hein. Qui l'eût cru quoi. Bon les gars, j'espère que ça va pas trop bugger au niveau de l'image. Oh putain. Ah ouais, ah ouais, ouais, quand même un petit peu les 99 là, hein. On a remarqué, hein. Quelle carte. Mais on espère, quoi qu'il arrive, même avec 3 victoires, pourquoi pas un petit truc sympa. C'est même une carte spéciale qui vaut 10 000 crédits, on est content, tu vois. Ah, ouais, ouais, ça va, ouais, ça va pas être un peintre, lui, hein. Ah, il dégage dehors pour qu'il y ait ses changements tellement il est stress. Frérot, t'as déjà une équipe de ouf, calme-toi, et oh, ça va. C'était pas le joueur que je pensais. Avec un joueur 4 étoiles, c'était bon. On peut jouer en bas. Ah. Ah ouais, ça m'est jamais arrivé, ça. Alors ça, véridique, ça m'est jamais arrivé. Quand le mec est tout en bas, que je peux faire une relance à la main forte, et le mec passe devant faire une tête comme ça, à la base, jamais. Peut-être qu'il a sélectionné, j'ai pas vu. Let's go. Voilà. On a réussi à trouver une accélération. Ça fait le taf. Non, tu trolls, putain. 40e finale de draft, tu me fais ça? Non. Ah là 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 là. Non. Ah, c'est pas cool. Ah, lui, faut que je le change. Ouais, non, faut que je change mon petit blond là. Je sais pas qui c'est, mais... là, ça fait 2-3 fois que je passe sur lui, 2-3 fois qu'il me tue l'action. Ouais, c'est sûr. Ouais, merde. Bon, bah ça, c'est but. Heureusement qu'il a mal joué. Ah bah, c'est but. Bah oui. Quoi? Quoi? Non! Oh, c'est bon, c'est trop. Non, non, c'est... Non, c'est vraiment... Non, non, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, mais bien sûr. Le jeu le fait passer de ouf, quoi. Il rate la tête. Oh là 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 là. Mais bon, là, le jeu a tellement décidé que... Voilà. Hein. Il peut faire n'importe quoi. Enfin, on lui redonne toutes les balles. Bah bravo, eSport. Je suis dégoûté. Tu dois gagner 3-0, tu perds. C'est basique. Hein. Aïe, 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 c'est dur. Dommage, ça se termine comme ça. Bon, non, les gars, on a fait ce qu'on a pu en vrai. C'est déjà magnifique ce qu'on a réussi à faire. Après, là, malheureusement, bon, ben voilà, ça fait partie du délire. Hein. Ça fait partie du délire.